Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du Quintet Plus de ce dimanche 14 août qui aura lieu sur l'hippodrome de Deauville. Le prix du Hong Kong Jockey Club en handicap divisé référence plus 16,5 pour des 3 ans et plus sur la distance 2600 mètres ligne droite. On notera qu'aucun 3 ans n'a décidé de tenter l'aventure dans cette épreuve. Ma sélection sera composée du numéro 11 Rum Chocolate, une jument qui avait gagné son Quintet Plus le 4 juillet sur l'hippodrome de Compiègne. Ensuite, elle a dû se contenter de la 6e place le 26 juillet dans l'une des courses de référence, mais ce jour-là, elle a eu des problèmes de trafic, elle a été malheureuse et je la crois capable de se réhabiliter sous la poigne de Christophe Lemaire. Ensuite, j'ai retenu le numéro 14, Yocastos, qui a conclu deuxième d'un Quintet Plus en dernier lieu. Il bénéficie d'un poids assez favorable et ce 4 ans face à ses aînés a les moyens de jouer un rôle majeur. Il sera monté par Olivier Pellier, un homme en grande forme également. Ensuite, le 5 Prime Spirit, là, pour pimenter peut-être un petit peu les rapports. C'est un cheval très régulier, mais il doit encore faire ses preuves dans cette catégorie. La dernière fois, c'était pas mal du tout sur la PSF de ce même hippodrome de Deauville, puisqu'il avait conclu troisième derrière Parfum des Dieux et Saphir, mais devant Yangoun et Salut l'Africain. Donc une ligne tout à fait intéressante. Ensuite, le numéro 2, Entre deux eaux. On la connaît bien désormais à ce niveau, cette jument, elle est souvent chargée, mais la dernière fois, c'était très bien. Deuxième, malgré le poids, le 26 juillet sur l'hippodrome de Maison Laffitte, dans la course de référence. Elle va particulièrement apprécier ce parcours de 1600 mètres ligne droite, et elle a encore les moyens de venir chercher au moins un accessit. Ensuite, le numéro 4, King Air, qui ce même jour, le 26 juillet à Maison Laffitte, lui avait gagné une course B, là aussi sur le parcours des 1600 mètres ligne droite. Donc l'aptitude à la distance et à cette ligne droite ne vont pas du tout le déranger. Et il fait l'objet de bruits tout à fait favorables. Donc le 4 King Air, là également à surveiller. Ensuite le 6 Kfariona, qui n'est autre que le tenant du titre. C'est un cheval exemplaire, il est âgé de 8 ans désormais, ce Hongre. Et il possède un palmarès impressionnant puisqu'il a notamment déjà gagné 5 Quintet Plus. Et il pourrait, pourquoi pas, en remporter un sixième ce dimanche. Ça paraît quand même un petit peu difficile pour la victoire. Mais en tout cas, il donnera encore une fois le maximum pour essayer de conserver son titre. Ensuite, le numéro 10, Dear Maria. Une jument qui reste sur plusieurs contre-performances, mais son entraîneur n'est pas du tout négatif. La dernière fois, elle est mal sortie de ses stalles, elle a dû faire un effort et ensuite c'était un petit peu compliqué. Cette fois-ci, il a fait appel à Christophe Soumillon et l'assouplissement des pistes pourrait jouer en sa faveur. Donc le 10, Dear Maria, à surveiller. Et puis ensuite, pour là aussi une cote, le 9, Liberman. Ce ne sera pas le cheval de tout le monde, il n'a rien fait en quatre sorties cette année, mais c'est un cheval qui a déjà conclu à l'arrivée de Quintet Plus, et puis son entourage, l'entraînement Beat Good et pour la monte de William Sareva, a bien réussi cet été. Donc je pense que son entourage a essayé de viser cette épreuve au moins pour les accessits, et pour une cote, ça peut être tout à fait intéressant à suivre ce 9 Liberman, pourquoi pas à inclure dans vos jeux. Donc ma sélection pour ce Quintet Plus de dimanche à Deauville, je vous la rappelle, le numéro 11 Rum Chocolate, le 14 Yocastos, donc là les deux bases pardon, de cette épreuve, le 5 Prime Spirit, le 2 Entre deux eaux, le 4 King Air, le 6 Kfariona, le 10 Dear Maria et le 9 Liberman. Voilà pour l'analyse de ce Quintet Plus, nous allons passer aux autres courses de la Réunion. Tout d'abord le prix de Pomone qui sera le temps fort sur le plan sportif, le groupe 2. La cinquième course du programme, une course pour jument et pouliche de 3 ans et plus sur la distance de 2500 mètres. Et dans cette épreuve, il semble logique de faire confiance à toi et moi, le 508, qui vient de gagner une listed race le 24 juillet sur l'hippodrome de Maison Laffitte. Il n'y a pas de raison qu'elle ne répète pas à l'étage supérieur. Elle semble disposer encore d'une certaine marge, donc le 508, toi et moi, à retenir en priorité. Ensuite, dans le prix de Gontaut-Biron, l'autre groupe du jour, un groupe 3 pour 4 ans et plus sur la distance de 2000 mètres, Cyrus des Aigles, 601, incontournable. Il vient de gagner le Grand Prix de Vichy-Auvergne, un autre groupe 3, et puis il a montré sa valeur au plus haut niveau. Il avait notamment terminé deuxième du prix d'Ispahan derrière Goldikova, ou encore deuxième du Grand Prix de Saint-Cloud derrière Sarafina, donc incontournable, le 601 Cyrus des Aigles. Voilà pour cette réunion 1 disputée sur l'hippodrome de Deauville. Nous allons passer à la réunion 2 qui aura lieu sur l'hippodrome d'Enghien avec des trotteurs au programme. Et dans cette réunion, on pourra s'intéresser au prix de la Porte de Passy en multi, la quatrième course du programme pour des mâles et hongres de 6 ans répartis sur deux échelons. Là, on a plusieurs concurrents qui ont déjà fait leur preuve dans cette catégorie des apprentis et la jockey, et notamment le 415 Renier qui vient de gagner sur le parcours qui nous intéresse le 31 juillet. Il fera partie des choix prioritaires dans cette épreuve, tout comme Ruby d'Herpé, le 411 qui alterne les belles sorties à l'attelé et au monté, et puis également le 416
Réal du Fruitier, un cheval déféré des quatre pieds, très bien engagé au plafond des gants. Voilà pour cette réunion 2 d'Anguin et passons enfin à la réunion 3 qui aura lieu sur l'hippodrome du Lion d'Angers, une réunion mixte, hein, galop et trot. Et dans cette réunion, on pourra suivre particulièrement le prix Océanie B qui sera le temps fort du programme, le multi, la course 3 et avec là des trotteurs de 3 ans à l'honneur, mais une épreuve avec des trotteurs tout à fait prometteurs puisqu'il n'y a pas de plafond de gain, la seule condition c'est de ne pas avoir conclu à l'arrivée d'un groupe 1 ou d'avoir gagné un groupe 2. Et donc dans cette course, on pourra suivre Urgel, le 313, une pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing qui vient de faire forte impression sur l'hippodrome d'Anguin, puisqu'elle a gagné dans le très bon chrono de 1,14,8 à 3 ans, c'est vraiment très bien, sur la distance de 2875 mètres. Et cette fois-ci, elle sera déférée des 4 pieds. Et a priori, elle a tout à fait les moyens de rendre la distance dans une épreuve de ce genre. Donc Urgel, le 313, la sélection de ce dimanche 14 août sur l'hippodrome du Lion d'Angers en réunion 3. Voilà pour l'analyse de ce Quintet Plus. Maintenant, je vous souhaite de très bons jeux pour ce dimanche et je vous dis à bientôt. Salut à tous.